Une dernière image. L'interactivité est à l'espace réel ce que la radioactivité est à l'atmosphère. Ça le détruit. Once the study and practice of war began and ended with the black box of the state, new modes of production and networks of information have erased old and created new boundaries of power and identity between the real and the virtual. Accidents along this information superhighway. Unparalleled accidents. It may not be about the information itself. It may be the equation bearing the velocity of the electronic data. Dans l'avenir proche, au 21e siècle, les hommes auront le sentiment de l'enfermement dans un monde tout petit, dans un monde étroit. Comme je l'ai dit, il y a une pollution de la vitesse qui réduit le monde à rien. J'ai toujours été intéressé par la notion d'accident parce que l'accident est d'une certaine façon révélateur de la technique. L'homme de la modernité, l'homme qui a tué le dieu de la transcendance, a inventé un dieu machine, un deus ex machina, qui est justement cet intégrisme technique, tout à fait dangereux. Nous sommes affrontés au pied du mur de la vitesse de la lumière. Nous avons atteint la limite d'accélération, selon la relativité, mais c'est un événement historique considérable. How did that happen, that warfare of the early 21st century, by which time everybody knew the mistake of warfare? Pour la première fois, contrairement à la guerre du Vietnam, on a eu une guerre mondialisée, en direct avec bien sûr tous les trucages, tous les traitements d'informations organisés par le Pentagone, organisés par la censure des états-majors. C'est une guerre qui a eu beaucoup plus lieu sur les écrans que sur le sol, qui a eu lieu dans l'artifice de la télévision, beaucoup plus que dans la réalité du champ de bataille. On peut dire déjà que le temps réel l'a emporté sur l'espace réel. The trajectory is toward increasing speed of technical proliferation and information dissemination. So that's the trajectory. You're not going to stop that trajectory. We have many tools emerging that can help with time to decide. Because of the way demands move, those are not things that you leave to human decision making. Systems will be pulled down offline, others will be overloaded. Instead, it's automated. Does one have to recognize all of the elements, or the whole even, of a revolution in military affairs before its manifestation? Aujourd'hui, la question se pose de la nature de l'accident des nouvelles technologies. Il y a les virus, mais je crois qu'on n'a pas compris la puissance de l'accident virtuel. La réalité est générée par l'histoire des sociétés. Et il y a donc réalité, puis simulation, et enfin substitution d'une nouvelle réalité à la réalité ancienne. Part of the overhang of the industrial age is to highly integrate and optimize systems and subsystems. And in that, you create striking systemic vulnerabilities. This isn't like natural disaster where you can take things from one piece of the geography and use that resource to help out this other piece of geography. You cannot look at what you see today and say, aha, this is it, this is the next age, because we are far from bumping up against the asymptotes to a certain considerable extent. The nation makes war the way it makes wealth. So there's going to be considerable movement, and you need an organizing principle which is capable of accommodating those. Network-centric warfare is such an organizing principle. Les technologies de l'information, il est global. Donc on est devant un nouveau type d'accident dont la seule référence, la seule analogie, mais ce n'est pas une bonne analogie, c'est le krach boursier, programme trading, c'est le krach de Wall Street. Il y a là une image de l'accident général, non plus d'un accident particulier, celui d'un déraillement d'un train ou d'un naufrage. C'est comme un film, il y a une séquence et une autre séquence.
il n'y a pas arrêt sur image. 24 images secondes, il y a évolution. Et là, c'est pareil. Réalité 1, simulation. On simule la réalité. Et ensuite, réalité 2. Et ensuite, simulation, réalité 3, etc., etc. We have a major year 2000 problem. And increasingly, people say, fix this. There are, however, some conventions that we have to suspend in order to be able to do that. The people say, I can accept that to reestablish the order in my quality of life. I think that's a doomsday scenario. C'est la phrase de Saint Paul. Ce monde tel que nous le voyons est en train de passer. Ça, pour moi, c'est fondamental. C'est la relativité. Le monde est un film. Mais c'est pas une simulation, un film. C'est un mouvement.